Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, dans lequel on va étudier deux suites définies par exponentielle, à l'aide de deux fonctions auxiliaires, et montrer qu'elles sont adjacentes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de deuxième année bac, sciences, mathématiques. Exercice, on considère les fonctions f, g et h, définies sur r privé de moins 1 et 1, par f de x égale moins x plus 1 demi ln, valeur absolue de x plus a sur x moins 1, g de x égale x à la puissance 3 sur 3 facteurs a moins x carré et h de x égale f de x moins g de x. Question a, dresser le tableau des variations de f et g. Question B, étudier le signe de h de x sur l'intervalle moins 1-1. Deuxième question, soit n appartenant à n étoiles, exprimé en fonction de n, 2n plus 1, f de 1 sur 2n plus 1 et 2n plus 1, g de 1 sur 2n plus 1.

Donc ici on a la fonction f définie par f de x égale moins x plus 1 demi elle valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 alors euh, ici on a la fonction qui est associée à x moins x, bien sûr et dérivable, est dérivable, c'est une fonction polynomiale, donc dérivable sur r, et en particulier sur r privé de moins 1 et 1, et on a aussi le, ici la fonction qui associe à x ln valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 c'est une fonction aussi dérivable sur r privé de moins 1 et 1 on a déjà vu dans le cours que si une fonction u est dérivable sur un intervalle i et, et cette fonction ne s'annule pas sur i, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à i, U de x différent de 0, alors on a la fonction qui est associée à x, ln valeur absolue de U, ou bien de U de x, est dérivable sur même intervalle I, et pour tout x appartenant à I, on a la dérivée de ln euh, valeur absolue de U de x,

إذن كما سبق أن قلنا سوف نقوم بحساب الدالتين المشتقتين لكلا الدالتين اف و جي دون إعطاء تبريرات لأنه لم يطلب منا أن نبين أن الدالتين اف و جي قابلتين للاشتقاق على R محرومة من ناقص واحد وواحد واحد Donc on va dire que les fonctions f et g sont dérivables sur f, R privé de moins 1 et 1. Les fonctions f et g sont dérivables sur f privé de moins 1 et 1 et on a pour tout x appartenant à r privé de moins 1 et 1, on va calculer f' prime de x. Alors pour calculer f' prime de x, euh, donc on va utiliser 16 propriétés. D'accord On a ici ln, valeur absolue de u de x, la dérivée c'est u prime de x sur u de x. Donc euh, la dérivée de moins x c'est moins 1 plus n demi la dérivée de ln valeur absolue de x plus 1 euh, sur euh, x moins 1 donc euh, on va utiliser ça donc on aura x plus 1 sur x moins 1 prime sur x plus 1 sur x moins 1 donc u prime de x sur u de x et

alors g' prime de x égale. Ici on va utiliser la formule u sur v prime. C'est u prime v moins u v prime sur v au carré. Donc on va mettre le taux. Alors d'abord on va on va mettre 1 sur 3 en facteur. Donc on va mettre le taux sur 1 moins x au carré, le taux au carré. Et au numérateur, on va mettre x à la puissance 3 prime facteur 1 moins x au carré moins euh, x à la puissance 3 facteur 1 moins x au carré prime donc euh, f prime de x égale à moins 1 plus 1 demi euh, donc ici on a on a 1 sur euh, donc 1 sur x plus 1 sur x moins 1 alors ça c'est égal à l'inverse de cette expression, c'est quoi C'est x moins 1 sur x plus 1. D'accord Normalement on écrit 1 fois l'inverse de ça, c'est-à-dire x moins 1 sur x plus 1. Donc on va trouver x moins 1 sur x plus 1 et facteur la dérivée de cette expression. Donc, la dérivée de ça, toujours on va utiliser la formule u sur v prime. Donc, on va mettre le taux sur x moins 1 au carré. Au numérateur, on va mettre x plus 1 prime, facteur x moins 1, moins x plus 1 facteur x moins 1 prime. Et g prime de x égale 1 sur 3. Donc, on va mettre le taux sur on va mettre le 2 sur 3, facteur a moins x au carré, le 2 au carré. Alors, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré, facteur a moins x au carré, moins, ici, euh, x à la puissance 3, la dérivée de a, de c'est 0, la dérivée de moins x carré, c'est, entre, euh, entre parenthèses, moins 2x. Ensuite, on va simplifier. Alors, euh, f prime... Donc f prime de x est égal à moins 1 plus. Euh, donc ici on va simplifier par x moins 1 et le carré. D'accord? Donc euh, il reste 1 fois 1 fois, fois ça. Donc euh, au dénominateur, on va avoir 2. Facteur x plus 1. Ici il reste x moins 1. Donc facteur x moins 1. Alors x plus 1 prime c'est 1. Il reste x moins 1 moins, euh, x moins 1 prime, c'est 1. Alors, il reste moins x plus 1. C'est-à-dire moins x moins 1. Et, g de x égale 1. Le tout sur 3 facteurs a moins x au carré, le tout au carré. On développe. 3x carré fois 1, c'est 3x carré. 3x carré fois moins x carré, c'est moins 3x à la puissance 4. Ici, on va avoir moins, moins fois moins, c'est plus 2. x à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. f prime de x égale, moins 1, plus, on simplifie, x moins x. Il reste moins 2. Donc, on va avoir moins 2 sur 2. Donc, on simplifie. Donc ici, on va avoir moins 1, moins 1, c'est moins 2, sur 2. Donc il reste moins 1. Moins 1 sur x plus 1, facteur x moins 1. Identité remarquable, c'est x carré moins 1. Et g prime de x égale le 2 sur 3, facteur 1 moins x au carré, le 2 au carré. Euh, 3 x carré. Moins 3x à la puissance 4, plus 2x à la puissance 4, c'est moins x à la puissance 4. Donc, f' du x égale. Euh, donc, ça c'est. Euh, on va réduire au même dénominateur le 2 sur 1 moins x au carré. Donc, ici on va mettre plus, plus et moins. On va avoir ici 1 moins x carré, 1 moins x carré. Et on va réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on aura On aura. On aura euh, alors, moins 1 fois 1 moins x carré, c'est x carré moins 1 et plus 1. D'accord On va simplifier, il reste seulement x carré. Et g prime de x est égal à, ici on va factoriser par x carré. Donc, euh, on aura x au carré. Euh, donc, x carré facteur 3 moins x carré le 2 sur euh, 3 facteurs 1 moins x au carré le 2 au carré voilà on a calculé f prime de x et g prime de x alors maintenant on va déterminer euh, on va essayer de dresser le tableau de f et g. d'abord on va dire que euh, donc f prime alors on a f prime ou bien on va dire que le signe le signe de f sur r privé de moins 1 et 1, c'est quoi c'est le signe de 1 moins X². Dans f li x carré f x, x, lui, G li x il y a, on a x x x

de g' de x et celui de... de quoi De 3 moins x carré. Et g' de x égale 0, équivalent à... Alors quand est-ce que g' de x égale 0 C'est lorsque le numérateur s'annule. Donc on a x carré égale 0 ou 3 moins x carré. Ici on va avoir x égal à 0. Ici on va avoir x carré égal à 3, c'est-à-dire x égal plus ou moins racine de 3. Donc euh, on commence par le tableau de variation de la fonction f. Alors euh, on a déjà dit que f prime de, euh, le signe de f' prime de x est celui de a moins x carré. Et le signe de 1 moins x carré c'est quoi C'est donc euh, le signe de 1 moins x carré est négatif en dehors des racines. Les racines c'est moins 1 et 1. Alors euh, négatif en dehors des racines. Donc voilà, ici on moins l'infini, moins 1, négatif. 1 plus l'infini négatif. Et entre les racines, positif. C'est-à-dire contraire du signe coefficient de x carré qui est moins 1. Voilà donc euh, f' s'annule quand x égal à 0. Donc voilà. C'est ça. Euh, bien sûr, la fonction f et f', donc les fonctions f et f' ne sont pas définies en moins 1 et 1, donc on va mettre deux barres euh, verticales, comme vous voyez. Donc euh, ici, on, la fonction f est strictement décroissante sur moins, moins l'infini moins 1, strictement croissante sur moins 1, 1. Bien sûr, euh, on a f' de 0 égale à 0, et aussi f de 0 est égale à 0, il suffit de vérifier. Donc, ici, on va avoir 0. Et là, on va avoir ln de 1 qui est 0. Euh, ensuite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Euh, maintenant, il faut calculer les limites. La limite en moins l'infini, en moins 1 à gauche et à droite, la limite en 1 à gauche et à droite, et la limite en plus l'infini. C'est-à-dire, on va calculer les limites aux bornes de df. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale la limite euh, quand x tend vers moins l'infini de moins x plus n demi ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Donc ça c'est égal à. Alors quand x tend vers plus l'infini on a cette fraction tend vers 1. On va voir x sur x c'est 1 et ln de 1 c'est 0. Donc il reste la limite au moins, euh, moins l'infini de moins x qui est plus l'infini. Car la limite quand x tend vers moins l'infini de euh, x plus 1 sur x moins 1 en valeur absolue es égale à 1, est égale à 1. Donc ici on va avoir x c'est la limite de x sur x c'est-à-dire 1. Et la fonction ln est continue en 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1, est égale à ln de 1, est égale à 0. Donc, il reste la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant on va calculer la limite euh, quand x tend vers moins 1 à gauche la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de f de x est égal à la limite euh, quand x euh, donc euh, la limite de ça de cette expression euh, alors euh, moins x on va avoir plus 1 et là on va avoir moins 1 moins 1 plus 1, 0 euh, sur euh, moins 1, moins 1, moins 2, et valeur absolue c'est 2. Donc on va voir la limite en 0, en 0 plus, car on a valeur absolue. La limite de ln en 0 plus, c'est euh, moins l'infini. Donc on va avoir ici 1 et moins l'infini. Donc c'est moins l'infini. Euh, car la limite euh, quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure de x plus 1 sur x moins 1 en valeur absolue est égal à... Il suffit de remplacer x par moins 1. On va avoir moins 1 plus 1, 0. Et c'est 0 plus car c'est la valeur absolue, toujours positive. Euh, et la limite quand x tend vers... Euh, ou bien t, quand t tend vers 0 plus de ln de t, c'est moins l'infini. On l'a déjà vu dans le cours. Donc en général, la limite de ça, c'est la limite de ces expressions c'est moins l'infini alors maintenant on passe à la limite la limite c quand x tend vers moins 1 à droite de f de x est égal à alors à droite on va voir la même chose rien ne change pour les mêmes raisons on va voir la même chose donc c'est toujours moins l'infini on a déjà dit ça ici donc à droite et à gauche c'est moins l'infini la limite en moins l'infini on a déjà trouvé plus l'infini alors la limite en 1 euh, la limite quand x tend vers 1 donc la limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale la limite Et on va calculer directement on a ici quand x tend vers 1 on va voir on va voir ici moins 1 plus bon 1 un, un demi alors ln on va voir 1 plus 1, c'est 2 sur 0. Mais 0 plus. Donc on va avoir 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors n est non plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc tout ça, c'est plus l'infini. Car la limite, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Quand x tend vers 1 moins est égal à 1 plus 1, 2 sur 0 plus. On va voir 2 sur 0 plus. C'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Et la limite de ln de t quand, euh, quand t tend vers euh, plus l'infini. C'est plus l'infini. Et ici, on va voir euh, voir constante. Voilà, donc la limite, c'est plus l'infini. Euh, on passe à la limite de f de x. Quand x tend vers euh, 1 à droite, donc ça c'est même chose, on, toujours on va voir la même chose ici, on va voir la plus l'infini, et les noms plus l'infini c'est plus l'infini, et euh, moins x on remplace x par, par 1, on va voir moins 1, donc toujours c'est plus l'infini, euh, il reste la limite en plus l'infini, donc la limite... La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à euh, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus 1 demi. LN valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 est égale à. Ici on va avoir moins l'infini. Et là on va voir la limite en plus l'infini c'est la limite de x sur x qui est 1 et ln de 1 c'est 0. Donc la limite c'est moins l'infini, euh, car la limite donc quand x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 est égal à est égal à 1 et la limite bien sûr ln continue en 1 donc euh, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 est égal à ln de 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, on dresse le tableau de variation de la fonction g. Euh, on a déjà dit que le signe de g' de x, le signe de g prime de x, est le signe de 3 moins x². x carré. Isharat g' les x, il y a 3 ناقص x مربع و جي بريم لي اكس, اكس تنعدم في الصفر ناقص جذر 3 وزائد جذر 3 اذا كما تلاحظون هنا جي بريم لي اكس هي اشاره جي بريم لي اكس هي اشاره التعبير 3 ناقص x مربع اذا ما هي اشاره هذه ثلاثيه الحدود اولا هي تنعدم في ناقص جذر 3 وجدر 3 خارج الجذرين لدينا نفس اشاره إكس مربع هنا إشارة هي ناقص واحد إذا فهي سالبة نفس إشارة خارج الجدرين إذا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر ثلاثة نفس الإشارة يعني سالبة ومن جذر ثلاثة إلى زائد ما لا نهاية نفس الشيء سالبة وبين الجدرين ناقص جذر ثلاثة وجدر ثلاثة دائما موجبة زائد 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 إذا هذا فيما يخص الإشارة طبعا قلنا أن تنعدم جي بريم لي إكس قلنا أن تنعدم في ناقص جدر ثلاثة في صفر وفي جدر ثلاثة طبعا جي غير معرفة في ناقص واحد وواحد إذا نقوم بإضافة عمودين كما تلاحظون يعني عموديين بهذه الطريقة أو خطين عموديين بهذه الطريقة ثانيا سوف نقول بأن يعني انطلاقا من إشارة جي بخيم لي إكس سوف نحدد رتبة جي نقول بأن الجي جي جي تناقصية قطعا على المجال ناقص مالينا ناقص جذر ثلاثة وتزايدية قطعا على ناقص جذر ثلاثة ناقص واحد تزايدية قطعا أيضا في ناقص واحد واحد وكذلك في واحد جذر ثلاثة وتناقصية قطعا على جذر ثلاثة زائد مالا نهاية كما هو مبين في الجدول هنا يكفي أن نقوم بحساب نهاية طبعا النهاية في ناقص ما لا ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية طبعا يمكنكم التأكد من ذلك صورة ناقص جذر ثلاثة سوف نجد جذر ثلاثة على اثنان يمكنكم أيضا التأكد من ذلك نهاية ناقص واحد نهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص واحد على اليسار نجد زائد ما لا نهاية وعلى اليمين نجد ناقص ما لا نهاية نهاية في عندما يقول إكس إلى واحد على اليسار نجد زائد ما لا نهاية وعلى اليمين نجد ناقص ما لا نهاية صورة جذر ثلاثة يعني جي لجدر ثلاثة نجد ناقص جذر ثلاثة على اثنان ونهاية جي لإكس عندما يقول إكس إلى زائد ما لا نهاية سوف نجد ناقص ما لا نهاية سوف لا نقوم بالحساب حتى لا يطول الشرح سوف أترك لكم الفرصة كي تتأكدون من هذه النتائج واخيرا سبق ان قلنا بان جي بريم لي اكس تنعدم في الصفر كما هو مبين هنا طبعا نفس الشيء بناقص جذر ثلاثة وجذر ثلاثة ايضا الدالة جي تنعدم في الصفر يعني جي لي صفر تساوي الصفر بالنسبة لحساب النهايات يمكن ان نستعمل فرضية الدالة جي يعني كون جي دالة فرضية يمكنكم ان تتحققوا من ذلك بسهولة وبالتالي لحساب النهايات عندما حددت مجموعة التعريف يمكن مثلا أن نقوم بحساب النهايات على يمين الصفر ونستنتج النهايات على يسار الصفر إذا نفترض مثلا أننا قمنا بحساب النهايات على يمين الصفر وجدنا هذه النتائج زائد ما ناقص ما هنا ناقص ما وهنا صورة جدر ثلاثة هي ناقص على اثنين ونريد مثلا ان نحسب النهايه على في ناقص ما لا نهايه سوف نكتب النهايه عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه لجي ل اكس تساوي النهايه بما ان الداله جي فهي داله فرديه سوف نعوض جي ل اكس بناقص جي لناقص اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه ومن بعد نقوم بتغيير متغير نضع t يساوي ناقص x لأننا يعني سوف نقول t يؤول x يقول يؤول إلى ناقص وهذا يعني أن t يؤول إلى زائد ملا ناقص جي ناقص x نعوضه ب t يساوي هنا لدينا ناقص ونهاية g t عندما يؤول t إلى زائد ملا نهاية سبق أن قمنا بحسابها هي ناقص وبالتالي النتيجة المحصلة عليها ما هي إلى الزائد ما لا نهاية وهو بالضبط ما وجدناه هنا نفس الشيء في ناقص واحد على اليسار واليمين مثلا مثلا نقوم بحساب نهاية جي إكس عندما يؤول إكس إلى ناقص واحد على اليسار مثلا يعني إكس أصغر من ناقص واحد ما هي إلى النهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص واحد ناقص أه نعود جي ل x بناقص جي لناقص x يساوي نهاية نقوم بتغيير المتغير تي يساوي ناقص x نجد ناقص جي ل t وهنا نجد t يؤول عندما يؤول x إلى ناقص واحد فإن t يؤول إلى زائد واحد أه هنا لدينا x أصغر من ناقص واحد على اليسار في في ناقص واحد اذا اصغر من ناقص واحد ونضرب في ناقص واحد نجد ناقص اكس اكبر من واحد يعني تي اكبر من واحد اذا هنا ستصبح النهايه على يمين واحد اذا نهايه ناقص جي تي عندما يؤول تي الى واحد زائد هي لدينا ناقص والنهايه لجي تي عندما يؤول تي الى واحد على اليمين وجدنا ناقص ما لا نهايه إذا النتيجة هي زائد مالانية ما لا نهاية ما وجدناه هنا إذا يمكنكم استعمال هذه الطريقة بالنسبة للصورة طبعا يمكن أن نستنتج جي لي ناقص جذر ثلاثة بطبيعة الحال بنفس الطريقة سنقول أنا ناقص جي لي جذر ثلاثة ناقص صورة جذر ثلاثة هي ناقص جذر ثلاثة على اثنان إذا النتيجة هي زائد جذر ثلاثة على اثنان نفس الملاحظة بالنسبة للدالة F نلاحظ أيضا أن هي دالة فردية ويمكن أن نستعمل هذه الطريقة أيضا Question بي étudier le signe de h de x sur l'intervalle moins 1 إذا هنا مطلوب أن نحدد إشارة h ل x في المجال ناقص واحد واحد إذا سوف نقوم بدراسة الدالة h في نفس المجال أولا سوف نقوم بحساب المشتق La fonction h est dérivable sur l'intervalle moins 1 1, bien sûr, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur moins 1 1. Et on a pour tout x appartenant moins 1 1. H' de x est égal à. Alors h de x c'est f de x moins g de x prime à f prime de x moins g prime de x. Donc ça c'est égal. On a déjà calculé f prime de x. Voilà, on a trouvé x carré sur 1 moins x carré. Donc x carré sur 1 moins x au carré. moins on a déjà calculé g prime de x. On a trouvé cette expression x carré facteur 3 moins x carré sur 3 1 moins x carré le tout au carré donc moins x carré facteur 3 moins x au carré sur 3 facteur 1 moins x au carré le tout au carré donc euh, ça c'est égal à on va réduire au même dénominateur x euh, donc ici on va diviser et multiplier par 3. Donc euh, on a déjà x carré. On va diviser et multiplier par 3 facteur 1 moins x au carré. Et ici on garde la même chose. Euh, donc on aura moins x carré facteur 3 moins x au carré. Donc ça c'est égal à euh, le tout sur euh, 3 facteur 1 moins x x au carré, le 2 au carré. On développe. On va avoir 3x carré. Bien d'abord, on va factoriser par x au carré. Donc x carré facteur. Alors ici, il reste 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins x carré, c'est moins 3x carré. On a déjà factorisé par x carré. Il reste moins 1 fois 3, c'est moins 3. Et moins 1 fois moins x carré, c'est plus x au carré. Donc ça c'est égal à le taux sur euh, 3 facteur 1 moins x au carré, le taux au carré. On simplifie 3 et moins 3. Et il reste euh, moins 3x carré plus x carré. Donc on va avoir x carré facteur. Euh, donc moins 3x carré. On va avoir x carré facteur. Euh, moins 3x carré plus x carré, c'est moins. Donc c'est moins 2x carré. C'est-à-dire qu'on va avoir moins 2x à la puissance 4. Donc ça, c'est h' de x. Et bien sûr, euh, h' de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1. C'est évident. Car x à la puissance 1 est positif, 1 moins x carré le taux carré est positif. Et 2 sur 3 aussi. Ensuite, on va résumer le taux sur un tableau. Euh, donc euh, le signe de h prime de x, alors on travaille bien sûr euh, sur l'intervalle moins 1, 1. h prime de x n'est pas défini au moins 1 et en 1, donc on, on va mettre deux, deux barres verticales. Alors ici on, on a déjà trouvé que h prime de x toujours inférieur ou égal à 0. Donc voilà, on va mettre moins moins. Et h h prime de x comme vous remarquez ici, il s'annule en 0 euh, Donc euh, la fonction h est strictement décroissante. Sur l'intervalle moins 1, 1. Euh, on va pas s'intéresser aux limites dans les bornes. Alors, euh, H de 0, c'est 0. C'est normal, car H de 0, c'est F de 0, moins G de 0, c'est 0 moins 0, c'est égal à 0. Donc on a déjà vu ça, que f de 0 égale à j de 0 égale à 0. Donc h de 0 est égal à 0. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici on va avoir la fonction h il est positif sur l'intervalle moins 1, 0. Et là, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que h du x est négatif ici. Négatif sur l'intervalle 0, 1. D'accord Donc voilà, h du x positif. Sur l'intervalle moins 1, 0. Négatif sur l'intervalle 0, 1. Et bien sûr, il s'annule en 0. On peut le vérifier par le calcul. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Donc, on a h de x. Alors, on a x ici inférieur ou égal 0. Et la fonction est décroissante. Donc, on va mettre supérieur ou égal à h de 0 qui est égal à 0. Voilà. Euh, C'est exactement ce qu'on a dans le tableau. Et même chose, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. On a h du x. Alors ici, on a x supérieur ou égal à 0. Donc h du x est inférieur ou égal à h de 0, qui est égal à 0. Et donc, euh, même chose, on a trouvé que quel que soit x appartient à 0, 1, h du x est inférieur ou égal à 0. Deuxième question. Soit n appartenant à N étoile. Exprimez en fonction de n 2n plus 1 f de 1 sur 2n plus 1 et 2n plus 1 g de 1 sur 2n plus 1. Nous là, on a un ensemble de valeurs de n. Il y a 2n zéros et f les 1 sur 2n plus un. Et 2n zéros wa et g les 1 sur 2n plus un. On a 2n plus un f de 1 sur 2n plus 1 est égal à 2n plus 1. Or f de x c'est moins x plus 1 demi ln, valeur absolue x plus 1 sur x moins 1. Donc en euh, fa euh, on facteur, on va mettre euh, moins, on remplace x par 1 sur 2n plus 1. Donc moins 1 sur 2n plus 1 plus 1 demi ln valeur absolue. On remplace x par 1 sur 2n plus 1. Donc on aura 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 1 sur 2n plus 1 moins 1. Euh, donc ça c'est égal à 2n plus 1. Facteur moins 1 sur 2n plus 1. Plus 1 demi ln. Valeur absolue. Donc ici, on va multiplier et diviser par 2n plus 1. Donc euh, 2n plus 1 fois 1 sur 2n plus 1, on aura 1. Plus 2n plus 1 fois 1, c'est 2n plus 1. Sur. Même chose ici, on va euh, mutuer par 2n plus 1. Donc euh, ici, il reste 1. Moins 1 fois 2n plus 1, c'est moins 2n moins 1. En valeur absolue. Donc ça, c'est égal à euh, 2n. Donc euh, on développe ici. On aura 2n plus 1 fois moins 1 sur 2n plus 1, c'est moins 1. Plus 2n plus 1 sur 2, ln. Donc ici, on va avoir 2n plus 2. Sur. Ici, on va avoir 1 et moins 1, on simplifie. Il reste moins 2n. On va leur absolue. Égal à moins 1 plus 2n plus 1 sur 2, ln. Ici, on va factoriser par 2, donc on aura 2 facteur n plus 1 sur, euh, donc ici on a la valeur absolue, donc on va simplifier le, le signe moins, il reste 2n, en simplifiant par 2, il reste n plus 1 sur n. Ensuite, on calcule 2n plus 1, g de 1 sur 2n plus 1 égale à 2n plus 1 facteur, alors g, g de x c'est x à la puissance 3 sur 3, 1 moins x carré. Donc euh, on aura, alors on va remplacer x par 1 sur 2n plus 1. On aura 1 sur 2n plus 1 à la puissance 3 sur 3 facteur 1 moins 1 sur 2n plus 1 au carré donc ça c'est égal à 2n plus 1 facteur ici on va avoir 1 sur 2n plus 1 à la puissance 3 Facteur 1 sur 3. Facteur 1 moins 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc ça c'est égal à 1. On va simplifier 2n plus 1. Il reste ici au carré. Donc on aura 1 sur 2n plus 1 au carré. Fois 1 sur. 3 facteur 1 moins 1 sur 2N plus 1 au carré. Donc, euh, c'est égal à on développe, on aura 1 sur 3 facteurs. Alors, 1 fois 2N plus 1 au carré, c'est 2N plus 1 au carré, moins 2N plus 1 au carré fois 1 sur 2N plus 1 au carré, c'est moins 1. Donc ça c'est égal à 1 sur 3. Euh, ici on va euh, factoriser. Identité remarquable, on factorise. Donc on, on aura 2N plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2N plus 2, facteur 2N, plus 1, moins 1. Donc il reste 2N. Égal à 1 sur, ici on va factoriser par 2, 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Et ici il reste n, et là il reste n plus 1. Donc 2n plus 1, facteur g de 1 sur 2n plus 1, égal à 1 sur 12n, n plus 1. Question 3. On considère les suites numériques UN et VN définies par UN égale à N à la puissance 2N plus 1 sur 2 sur N factorial exponentielle moins N et VN égale à UN exponentielle 1 sur 2N. Montrer que UN et VN sont adjacentes. Et là, on rappelle ce que c'est que deux suites adjacentes. Définition. On dit que deux suites UN et VN sont adjacentes. Si une est croissante, l'autre est décroissante. Et la limite de un moins vn est égale à 0. On commence par étudier la monotonie de la suite un. Pour cela, on va déterminer le signe de un plus 1 moins un. Alors, dans notre cas ici, c'est pas évident de déterminer le signe de un plus a moins un de manière directe. Et donc, pour éviter ce problème, on va utiliser la propriété euh, suivante qui dit que le signe de a moins b est celui de ln de a moins ln de b. Bien sûr, en supposant que a est strictement positif, b aussi strictement positif. Euh, même chose, le signe de a moins b, c'est aussi le signe de exponentielle a moins exponentielle b. En général, c'est le signe de phi de a moins phi de b, avec phi une fonction strictement croissante sur son domaine défini, et que a et b appartiennent à ce domaine. Mais euh, dans notre cas, ici, on va utiliser ln de A moins ln de B. C'est-à-dire, on va déterminer le signe de ln de A moins ln de B. Euh, car les termes de la suite un sont tous strictement positifs. Donc, comme vous voyez ici, on a, quel que soit n en entier, euh, naturel, super ou égal à 1, on a toujours n à la puissance 2n plus 1 sur 2 sur n factoriel exponentiel moins n, est toujours euh, strictement positif. Donc, euh, on peut appliquer ln, aucun problème. Ensuite, ici, on a n à la puissance 2n plus 1 sur 2, qui est un produit. Même chose ici, on a n factoriel qui est un produit, et on sait que la fonction ln transforme le produit en somme. Ici, on a expansé à moins n, on va trouver l'identité. إذا لتحديد رتبة المتتالية UN عادة نقوم بتحديد إشارة الفرق UN زائد واحد ناقص UN في حالتنا هذه من الصعب تحديد إشارة UN زائد واحد ناقص UN بطريقة مباشرة ولذلك سوف نستعمل الخاصية التالية التي تقول أن إشارة A ناقص B هي إشارة LN A ناقص LN B وذلك باعتبار أن ا و B موجبين قطعا طبعا هذا لأن الدالة الين فهي قطعا على مجموعة تعريفها. نلاحظ هنا أن حدود المتتالية يو ان موجبة قطعا لكل ان عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي واحد لدينا دائما هذا التعبير أكبر قطعا من صفر. إذا فهو ينتمي إلى مجموعة التعريف الدالة الين. إذا يمكن أن نطبق الين دون مشكلة. نلاحظ أيضا أن هنا لدينا أس يعني جداء كذلك هنا لدينا عامل يعني ايضا جداء ونعلم ان الداله الين تحول الجداء الى مجموع هنا لدينا اكسبونسييل سوف نحصل على التطبيق المطابق ليدونتيتي اذا لتحديد اشاره un ان زائد واحد ناقص يو ان يكفي ان نقوم بتحديد اشاره الين ان زائد واحد ناقص الين يو ان alors n Appartenant à n étoiles, euh, on a ln de un plus 1 moins ln de un est égal à ln. Alors, euh, un plus 1, c'est n plus 1. Donc, à la place de n, on va mettre n plus 1. Donc, on va avoir n plus 1 à la puissance, ici, on va avoir 2n à la place de n, je vais mettre n plus 1. Donc on va avoir 2 facteurs n plus 1 plus 1. Ça veut dire, je vais avoir 2n, euh, donc à la puissance 2n, euh, 2 plus 1, c'est-à-dire plus 3. Et sur 2. Euh, le tout sur n plus 1 factoriel. Facteur exponentiel, moins n plus 1. Moins ln de un, on remplace par ça. Donc ça c'est n à la puissance 2n plus 1 sur 2, le tout sur n factoriel exponentiel moins n. Donc ça c'est égal à ln. Donc ici on a un produit. Donc on va utiliser les propriétés de ln. ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b. Et ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b. D'accord euh, donc on va avoir ln de n plus 1 à la puissance 2n plus 3 sur 2, euh, plus ln de ça, donc euh, on va avoir moins n plus 1, ln de exponentielle, c'est euh, moins n plus 1, moins ln de n plus 1 factoriel. Moins, ici, on a ln de ça, donc moins ln de n à la puissance 2n plus 1 sur 2. Puis, on a moins ln exponentielle. Donc, on va avoir moins ln euh, exponentielle moins n. Et on aura quoi On aura moins moins n, c'est-à-dire plus n. Donc, on va mettre plus n. Et on va avoir moins ln de 1 sur n factoriel, c'est-à-dire plus plus ln n factoriel. Euh, donc ça c'est égal à ici je vais mettre l'exposant devant 2n plus 3 sur 2 facteur ln de n plus 1. On sait que ln x à la puissance a est égal à a ln de x avec x strictement positif. Donc ici je vais avoir 2n plus 3 sur 2 ln de n plus 1. On simplifie moins n avec plus n. Donc il reste ici moins 1. Euh, là, on a moins ln n plus 1 factoriel. Alors, on sait que n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Et donc, ln n plus 1 factoriel, c'est quoi C'est, je vais voir moins. Euh, donc ici, moins ln n plus 1 moins ln n factoriel. Comme vous voyez ici, on a un produit. Donc, ln de n plus 1 fois n factoriel, c'est ln de ça plus ln de ça. Avec signe moins, comme vous voyez. Et puis ici, on a, on va faire descendre l'exposant devant ln. Donc, euh, je vais écrire moins 2n plus 1 sur 2. ln de n. On a déjà simplifié par n, donc il reste ça plus ln, n factorel. Euh, donc ça, c'est égal à, c'est-à-dire ln de un plus 1 moins ln de un. Euh, donc, euh, on va mettre d'abord moins 1. Euh, ici, on a ln de n plus 1. On, fa on factorise. Alors, qu'est-ce qu'on aura On va avoir ça moins 1. Donc, on va avoir 2n plus 3 sur 2 moins 1. C'est-à-dire le 2 sur 2, 2n plus 3, euh, moins 2. Donc, euh, je vais avoir euh, 2n plus 1. Donc, plus 2n plus 1 sur 2, facteur ln n plus 1. Ensuite, on va simplifier par moins ln n factoriel et plus ln n factoriel. D'accord Qu'est-ce qu'il reste Il reste moins euh, 2n plus 1 sur 2 ln de n. Euh, donc, ça c'est égal à. On va d'abord mettre en euh, mais met moins 1 plus on va factoriser par 2n plus 1 sur 2. Donc, 2n plus 1 sur 2 facteur lnn plus 1 moins ln de n. C'est-à-dire ln n plus 1 sur n. Et maintenant, on va utiliser la question précédente. Donc dans la question précédente, euh, on a déjà calculé 2n plus 1 f de 1 sur 2n plus 1. On a trouvé moins 1 plus 2n plus 1 sur 2 euh, ln de n plus 1 sur n. C'est exactement l'expression qu'on a trouvée ici. Donc c'est exactement ça. Donc quand on remplace ces 2n plus 1 facteur f de 1 sur 2n plus 1 entre parenthèses voir donc voir euh, la question euh, donc c'est la question 2 voilà donc euh, pour déterminer le signe de ln de un plus 1 moins ln de un il suffit de déterminer le signe de ça alors 2n plus 1 est strictement positif donc il suffit de déterminer le signe de f de 1 sur 2n plus 1 alors euh, on a n supérieur ou égal à 1. Donc, donc euh, 1 sur 2n plus 1. Alors, d'abord, on va mettre 2n plus 1. Donc, euh, 2n plus 1 est supérieur ou égal à euh, 2 plus 1, 3. Donc, on aura 1 sur 2n plus 1 et inférieur ou égal à, donc inférieur ou égal à 1 sur 3 qui est inférieur strictement à 1. D'accord Et bien sûr, c'est strictement positif. Voilà, donc euh, pour déterminer le signe de f de 1 sur 2n plus 1, on va revenir au signe de la fonction f sur l'intervalle 0, 1. Donc euh, le tableau de signe de la fonction f, voilà, donc ici on a l'intervalle 0, 1. Et comme vous remarquez, la fonction f est positive sur l'intervalle 0,1. Donc comme vous voyez, il va, euh, il va de 0, il croît jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on a euh, f de x toujours supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire la courbe de Cf est au-dessus de l'axe des abscisses. f de x supérieur ou égal à 0. Il s'annule en 0. Et il est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, euh, dans notre cas ici, on a 1 sur 2n plus 1 est toujours dans l'intervalle 0a. D'où f de 1 sur 2n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ln de un plus un moins ln de un est supérieur ou égal à zéro. C'est-à-dire, un plus un moins un supérieur ou égal à zéro. Par suite, la suite un est croissante. Maintenant, on va déterminer le, la monotonie de la suite euh, vn. On

alors, Vn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1. Donc, Vn, c'est Un exponentiel 1 sur 12, 12n. Donc, euh, Un plus 1, ou bien Vn plus 1, c'est Un plus 1, exponentiel 1 sur 12 facteur N plus 1. Moins ln de Vn, c'est Un exponentiel 1 sur 2n. Euh, ça c'est égal à ici on a ln de un plus a et là on a moins ln euh, moins ln de un euh, plus ln de exponentielle. c'est quoi ln de exponentielle c'est 1 sur c'est 1 sur 12 facteur n plus a et là on a moins ln Exponentielle 1 sur 2n, c'est moins 1 sur 2n. Euh, donc ça c'est égal à... Alors pour ln de un plus 1 moins ln de un, on a déjà calculé. On a déjà calculé ici. Comme vous voyez, on a trouvé 2n plus 1, f de 1 sur 2n plus 1. Donc on remplace. Donc on remplace ça par 2n plus 1, f de 1 sur... 2n plus 1, plus, ici on va réduire au même dénominateur. On va mettre le taux sur 12n facteur n plus 1. Donc ici on va multiplier et diviser par n. Donc on va avoir n moins, ici on va multiplier et diviser par n plus 1. D'accord Donc on va avoir n moins n0, il reste moins 1. Donc ici on va avoir moins 1. Donc, ça, c'est égal à 2n plus 1, f de 1 sur 2n plus 1. Alors, c'est quoi, ça? C'est, donc, 1 sur 2n, n plus 1. D'après la question précédente, 1 sur 2n, n plus 1, on remplace par 2n plus 1, g de 1 sur 2n plus 1. Avec 6 mois, bien sûr, donc mettre moins.

سوف نضع آش لواحد على اثنان ان زائد واحد طبعا هنا لتحديد إشارة الن في ان زائد واحد ناقص الن في ان اثنان ان زائد واحد موجبة قطعا يكفي ان نقوم بتحديد إشارة آش سبق ان فعلنا ذلك في السؤال السابق او في السؤال واحد باء الوغ هنا on a euh, n supérieur ou égal à 1 donc 1 sur 2n plus 1 supérieur strictement à 0 inférieur strictement à 1 on va revenir au signe signe de h sur l'intervalle 0 1 إذن حسب السؤال حددنا h ou alors, par rapport au 0 -1, h de x, c'est bas. Donc, on utilise Donc, h de 1 sur 2n plus 1 est inférieur ou égal à 0. 2. Donc, inférieur ou égal à 0. Donc, euh, ln vn plus 1 moins ln vn est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, vn plus 1 moins vn inférieur ou égal à 0, par suite, la suite vn est décroissante. Voilà, donc, on a montré que vn décroissante et un croissante maintenant il suffit de déterminer la limite de un moins vn euh, on a donc on a euh, un moins vn égale à. Euh, alors pour donc on va mettre un moins alors pour vn c'est un exponentiel 1 sur 2n donc ça c'est égal à 1. on factorise par un donc il reste 1 moins exponentielle 1 sur 2n d'accord donc la limite de exponentielle 1 sur 2n c'est 1 donc la limite de ça c'est 0 donc il suffit de déterminer la limite de un donc euh, ou bien il suffit de montrer que un est convergente d'accord alors on a déjà montré que un est croissante أه دونك أن دو ان UN ماجوغي هنا لحساب نهاية يو ان ناقص في لدينا نهاية واحد ناقص اكسبونسيال واحد على 12 ان هي صفر و يو ان سوف نبين انها متقاربة سبقا بينا انها تزايدية يكفي ان نقوم يكفي ان نبين انها مكبورة أه دونك هنا يو ان positif Et 1 moins exponentiel 1 sur 2n est négatif, inférieur à 0. D'accord Donc, euh, ça c'est inférieur, donc c'est inférieur à 0. Ou bien ou égal. D'accord Donc on a 1 sur 2n supérieur à 0. Donc exponentiel, bien c'est équivalent à exponentiel 1 sur 2n supérieur à exponentiel 0 qui est 1 équivalent à 1 moins exponentiel 1 sur 2n inférieur à 0. D'accord Donc euh, ici on a un moins vn est inférieur ou égal à 0. Euh donc on aura un Donc on aura un inférieur ou égal à vn. Et comme donc euh, et comme euh, UN est croissante et VN est décroissante, إذن بما أن المتتاليتين تزايدية VN تناقصية بالنسبة ل UN, إذن UN بما أنها تزايدية فهي مصغورة بالحد الأول الذي هو U1

Donc, un est supérieur à un, c'est évident, car la, fonction, la suite un est croissante. Même, même chose pour vn. On a vn décroissante, donc vn inférieur à vn moins 1, inférieur à vn moins 2, etc., jusqu'à le premier terme qui est v1. Donc, vn inférieur à v1. Ça va Voilà, donc euh, la suite un croissante est majorée par v1. Donc, euh, vn. Ou bien un. Donc, euh, un est majoré par v1. Makbora bi vwahid. Iden feyé moutakariba. Teseyudia oua Makbora bi vwahid. Iden feyé moutakariba. Donc, un est convergente. On pose on pose la limite de un égale à l d'accord donc on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins vn on remplace par ça de un facteur 1 moins exponentielle, 1 sur 2n euh, égale a alors c'est quoi la limite de un c'est l fois la limite de ça on va avoir 1 moins 1 sur 2n tend vers 0 exponentielle, 0 exponentiel 0 c'est 1 donc on va avoir 1 moins 1 0 fois l donc l fois 0 c'est 0. On justifie car donc euh, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2n est égale à 0 et la fonction qui est associée à x, exponentielle x, est continue. Et continue en 0. Normalement continue sur r, en particulier en 0. Voilà donc euh, on a terminé conclusion les suites UN et VN sont adjacentes UN VN Question 4 Déduire la limite de N sur racine N de N factoriel Alors on a pour tout N appartenant à N étoile Euh, n sur racine n de n factoriel est égal à euh, donc euh, ici on va essayer d'utiliser euh, un euh, donc euh, pour nos un c'est quoi c'est n à la puissance 2n sur 2 c'est n plus n demi sur n factoriel exponentielle moins n donc euh, D'abord, on va mettre n à la puissance euh, n sur n factoriel, le tout à la puissance 1 sur n. Alors, n à la puissance n à la puissance 1 sur n, c'est n à la puissance 1, qui est n. Et 1, euh, n factoriel à la puissance 1 sur n, c'est racine n' de n factoriel. Donc, ça, c'est égal à. Donc, euh, ensuite, on va essayer d'introduire la suite un. Donc on va avoir n à la puissance n plus n demi sur n factoriel. On va multiplier par exponentielle moins n. On va multiplier par exponentielle plus n. Ici on a multiplié par n à la puissance n demi, c'est-à-dire racine de n. Donc on va diviser par racine de n. Donc tout ça à la puissance 1 sur n. Donc ça, c'est égal à. Et alors, on remplace ça par un. Donc, on aura un fois exponentielle n sur racine de n. Le tout à la puissance 1 sur n. Ensuite, on va introduire euh, exponentielle ln. Donc, euh, on va écrire exponentielle ln de tout ça, un. Exponentielle n sur racine de n. Le taux à la puissance 1 sur n. Euh, donc euh, ici, on, on introduit ln pour simplifier cette expression. Donc ça, c'est égal à exponentielle. Euh, donc euh, d'abord, on va faire descendre 1 sur n, l'exposant, devant ln. Donc on aura 1 sur n, euh, ln, facteur ln de un, plus ln de exponentielle n, euh, plus euh, ln, plus, euh, ou bien moins, on va mettre moins ln, racine de n. Donc ça, c'est égal à exponentielle. 1 sur n, oui, on va développer. Euh, ici, je vais avoir euh, ln de un sur n plus ln exponentiel n, c'est n, et n sur n, c'est 1. Donc, on va avoir 1 moins ln racine de n, c'est moins 1 demi, je vais avoir euh, moins et 1 demi ln de n sur n. Euh, voilà, donc euh, maintenant on va essayer de calculer la limite de ln de un sur n. La limite de ln de n sur n, c'est évident, c'est une limite usuelle, c'est 0. Alors, euh, on va calculer la limite de ça. On a, donc euh, on a, quel que soit n appartenant à n étoile. Alors, euh, puisque la suite un est croissante, donc un est supérieur ou égal à u1. Donc, par passage à la limite, donc on a déjà posé limite de UN égale à L dans la question précédente. Voilà, donc on a déjà posé la limite de UN égale à L. Donc, euh, par passage à la limite, on aura L supérieur ou égal à U1 et U1 strictement positif. Et donc, la limite de ln de un. C'est quoi C'est ln de l. On justifie car la fonction ln est continue en l. Et elle appartient, comme on a déjà vu ici, elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de un sur n est égal à 0. Donc on a ln de un temps vers ln de l et donc ln de l sur l'infini c'est 0. D'accord? Euh, la limite de ça, c'est 0 euh, de plus la limite de ln de n sur n est égale à zéro. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur racine énième donc sur racine énième de n factoriel est égale à donc euh, on aura exponentielle donc euh, c'est suite tend vers 0 euh, plus 1 ici on a 0 moins 0 donc ça c'est égal à exponentielle 1 qui est e d'accord euh, on justifie car car euh, la fonction exponentielle est continue sur r et donc en particulier en 1 on va mettre ici 1 car la fonction qui est associée à x, exponentielle x, est continue sur r. exponentielle la r, Continue sur r, donc en particulier en 1. Voilà donc conclusion, la limite de n sur racine énième de n factorielle est égale à e. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir nos nouvelles vidéos.